Cette vidéo est dédiée au crépuscule du 18 mai 2015. C'est pourquoi nous commençons comme ceci, vers l'étang Saint-Paul, sous la forêt de Cambay. Et nous allons aller prendre ça en bord d'océan, un peu plus loin là-bas, sur la route forestière de Cambay. Mais pour l'instant, nous sommes, voilà, vers l'étang Saint-Paul et nous en profitons un petit peu pour donner quelques images. Le temps qui nous est imparti est limité, donc on va juste faire un petit tour d'étang comme ceci avant de se casser. Très calme, protégé du vent. Alors nous arrivons à la passerelle où quelques personnes traversent. Voilà, alors de mon côté, de nouveau, le coin des roseaux, le bayou, voilà, et le bord près de chez moi. Je crois que ça va suffire pour l'étang Saint-Paul. Voilà, on se barre dans les dernières lueurs du soleil rasant. Et on espère le choper un peu plus loin. Le voici, le voilà. Voilà, le soleil couchant est par ici, mais moi je vais le trouver un peu plus loin, par là-bas. Mais en attendant, je prends un petit peu de la plaine Oméga. Hein, c'est parallèle à la route forestière de Cambay. Alors là, je vais voir justement l'ancienne antenne Oméga, ici présente, là. C'était là qu'il y avait l'antenne. Et derrière, on a la cicatrice de ma fat, puis les hauts, là, les hauts de Saint-Paul, illuminés par le soleil couchant. Voilà, et là, c'est la route, en fait, d'où je viens, de l'étang Saint-Paul. Voilà, un bout de forêt avec des essences diverses, des troncs blancs. Voilà, on se termine sur le coucher de soleil qu'on va retrouver sans les arbres un peu plus loin. Allez, on y va vers lui, sans les arbres, disais-je. Mais dans l'humidité quand même. Et là, il risque d'y avoir quelques nuages. Moi, je le vois assez découpé, mais je ne sais pas si on voit bien dans l'écran. On filtre avec le fil à eau. Cap Marianne, là-bas. Et voilà la plage. On continue par la route forestière de Cambay, illuminée par le soleil couchant, et puis on voit au loin les montagnes. Le soleil couchant. On traverse la plage. C'est la limite de la plaine Oméga, du côté où il y a quelques végétations, quelques arbustes, quelques arbres. Tout ça s'allonge donc la route forestière de Cambay. Ça nous conduit ici. J'ai juste bougé un peu là. Avancer. Et là, c'est la séparation en fait de la route forestière de Cambay qui se trouve là-bas.
Et ici, on a le sentier littoral, par ici, qui continue au bord d'océan. Et en fait, j'ai dégagé un peu le soleil qui risquait de se cacher sur les nuages de gauche, là. Voilà. Le soleil commence à être mangé par le bas, sur le haut des nuages. Oula. Là, il y a un petit ULM qui va se poser par là-bas. On va vite retourner à notre soleil qui est en train de disparaître. Et il y a encore un petit bout là, sympathique. Après, pas changé. Là, c'est bizarre le soleil. Il me semble que c'est encore le soleil là. Le dernier bout de soleil là, oh là là, il est là. Un petit bout, c'est fini. Bon, un peu de diffractation et on va se casser en fait. Et en dernier regard sur la plage et on va monter sur le pont de la rivière des Galets pour faire rythmer tout ça. Et pour ça, on va repartir sur la route forestière de Cambay. Ici présente, voilà. On va partir par là-bas, en fonçant. Et on va quitter le chemin littoral. Et les derniers râles
soleil agonisant qui darde ses rayons comme un damné vers le haut. Voici au-dessus de la rivière des Galets et du côté du LM Cambay, un petit ULM descend. Voilà, il se pose sur la piste par là-bas. Ça me permet de revenir voilà, sur mon embouchure et sur les traces du soleil couchant. Là, il y a un peu plus d'orangers par ici, du côté de l'ancienne centrale électrique. Voilà, je passe sur le pont où arrive un camion et je l'arrête sur place. Voilà, je vais le reprendre de l'autre côté. Je regarde un petit peu du côté justement de l'amont et de là le cirque de Mafate par derrière. Voilà l'amont par ici. Voilà l'endiguement derrière Cap Marianne. Juste au-dessus de la rivière des Galets, je suis son cours jusqu'à son embouchure là-bas et je la délaisse voilà l'endiguement par ici et on termine en bordure de pont vers l'endiguement. Alors là, je remonte en amont. Je suis de l'autre côté du pont et je regarde vers la montagne, les ponts là-bas et le cirque de Mafate, juste au milieu. Et voilà, on regarde un petit peu les hauts de Saint-Paul et l'endiguement par ici. Et on va terminer juste en lisière de pont. Ouais, je me suis mis au milieu du pont. Je regarde vers le port et les voitures qui arrivent. Et maintenant, je vais me mettre dans l'autre sens. C'était juste un peu de milieu de pont de la rivière des Galets. Allez, maintenant on va regarder vers l'horizon du couchant, tout en étant au milieu du pont. On va traverser. Première planète lumineuse ou... disons peut-être une étoile, mais ça me semble une planète. Allez, c'est un bon moyen de terminer. On va faire se jeter cette vidéo dans l'océan. Et nous, on va se perdre dans le néant, dans le ciel, en espérant de se revoir. On va même déplacer les planètes, les étoiles, et terminer dans le Big Bang primordial, où il n'y avait pas de choses ni de sayonara.